Salut tout le monde! Aujourd'hui, nous allons faire une toute nouvelle vidéo avec un unboxing, une toute nouvelle toupie. Et c'est... Je connais pas trop le nom. Clinting Dragon. Donc, à ceux qui connaissent le nom en français, s'il vous plaît, j'aimerais le savoir. Et là, au départ, je voulais acheter une autre toupie, mais celle-là m'intéressait beaucoup plus. Donc, c'est un changement de plan un peu imprévu. Donc, on va commencer comme ça. Et la tape s'est défaite en quelques secondes. Donc, le petit papier. What? Mais non. Mais c'est genre vraiment... Wow. Après la vidéo, moi je vais mettre les coins. Donc n'hésitez pas à liker ma vidéo. Ça ferait extrêmement plaisir. Et si il n'y a pas encore de vidéo Fortnite pour tout de suite, ça me ferait genre vraiment. Ça me ferait vraiment plaisir. Puis parce que j'ai vraiment un problème parce que je joue sur Twitch. S'il y a des personnes qui savent comment filmer sur Switch, et n'hésitez pas à le dire soit dans les commentaires s'il marche ou dans un short Beyblade. Donc, on va juste. Voilà. On déballe le layer. Regardez-moi ce layer. C'est le style total. Parce que moi, je l'adore. À date, je l'adore. C'est une passionnante toupie de type attaque. Bon. Ça a l'air d'une très belle toupie. Ça a l'air d'avoir un dash ici. Très bien, c'est bon pour une toupie de toute attaque les dash. Parce que si ça attaque trop, ça va exploser. Ça attaque trop. Et pour ceux qui ont besoin, si vous aimez ce genre de vidéo unboxing, likez la vidéo au max si vous voulez. Donc on va aussi faire un test si on a le temps. Donc on va voir le dash. Ah, il est pas pire le dash. Donc, on assemble la toupie. On a dire. Donc, ça donne un résultat de ce genre. Donc, on va essayer de la faire tourner à la main. Ça a l'air d'une toupie, genre de type attaque super résistante. Donc là, on va aller voir son autre mode. Puis en même temps, je vais faire un petit tuto pour ceux qui ne savent pas. Comment le faire. Donc, dans le fond, tu ouvres. Vous ouvrez ce truc. C'est juste. Faut que tu. Dans le fond, tu ouvres ça. Et tu ensuite, tu prends. Le chose ici, je sais pas comment ça s'appelle, tu le mets en haut, ensuite tu remets l'autre centre en haut, tu mets inverse, puis ça va donner une toupie un peu plus haute. Donc ici, on va ouvrir ça avec le truc pour Belia, je pense. Je connais pas trop. En tout cas, la pointe est genre vraiment. La pointe est vraiment assez surprenante, puis il y avait un système de genre de rétraction comme des genres de turbolames dans les séries turbo. Désolée si se passe rien du tout. En même temps, on va viser les 40 heures. Moi, je vais me donner un objectif. On va essayer d'atteindre les 40 abonnés en au moins un mois. Donc,
Je compte sur vous, les gars, je lance l'objectif. Les... Ça, ça m'a ça. Il y a la boîte comme ça. Et je crois pas que j'aurai le temps de faire le test de la toupie. Mais je vais faire un test dans un short. Donc, si vous voulez voir le test, c'est en suivant ma chaîne YouTube. Donc, aussi, c'est pas mal tout pour cette vidéo. Je vais installer les collants, puis je vais vous donner mon avis, soit dans les commentaires ou soit dans une autre short. Ok. Donc, voilà le résultat à la fin de collage des collants. Ça fait un effet arc-en-ciel, comme sur la toupie, ici. Donc, on vous met la comparaison. Et voilà. Donc, on l'a acheté à 45$. Donc, c'est... Si vous voulez savoir le prix. Et, donc, on va en rester là. Et on va la tester dans un prochain short. Donc, ciao, amigos!